l'atterrissage du Catalina. Cet avion était déjà vu lors de notre dernière manifestation en 1991. Ils nous viennent de la région de Venise. Et San Marco, c'était pas prévu. Patrouille serrée, s'il vous plaît. Alors les trois premiers, ce sont des PA-18 et le dernier, c'est un J-3. Thank you.
30, nous avons fait un cercle de 5 km autour de la ville de Falaise. 5 km autour de la ville de Falaise. Pas bien. Je veux dire, la pensée de tout à l'heure, qui a promu sur la Normandie pendant ces 75 jours. Là, ils ont entendu des chambres sur le champ de la librairie Conquérant de Falaise. Et quand on voit M. Francis au Chambre, il y a aussi un livre de Toulon. Il retrace la vie locale dans la région de Falaise pendant cette période. C'est ça, mais c'est un stand et les visiteurs bien entendu sont venus. Donc dans quelques instants, décollage du Bristol Blenheim. Ça veut dire l'ouragan en français. Il doit en rester plus que 3 en état de vol de par le monde à l'heure actuelle. Il vous dit que vous êtes pris des vols de patrouille. Parce que c'est 2 appareils volés en même temps à l'époque. Voilà, le démarrage maintenant d'un Spitfire. Donc nous allons avoir même les 3 avions en même temps en patrouille. Tout le monde se met en place. Je peux vous dire que la rareté de ces appareils fait que les pilotes prennent d'extrêmes précautions avant leur décollage. Sous le volet à vitesse de 500 km/h à 6000 mètres d'altitude. En place de pratique de 10 mètres. Voilà, décollage du Bristol Blenheim. Ça y est, maintenant vous êtes dans le vin, nous sommes sur une base de la RAF, 50 ans, 55 ans plus tôt. Je veux dire que tous les pilotes qui vont vous présenter ces appareils ne sont pas des amateurs, ce sont tous d'anciens pilotes de chasse, bien évidemment. Ils mettent un peu plus de temps pour décoller, mais... Pendant la guerre, dès que l'alerte avait été déclenchée, en moins de 6 minutes, ils étaient à l'altitude opérationnelle. La sonnerie du terrain a crié Crumble, Crumble, Crumble. Décalage du marque 9 de la position de base.
Allez, on va aller.